Eh bien, yo tout le monde, aujourd'hui on se trouve pour une nouvelle vidéo pour la suite de notre série sur Manorland, pardon. J'étais encore en train de dire Bannerlord, mais non, c'est Manorland. Donc avant que la vidéo commence, les amis, n'oubliez pas de vous abonner. Vous êtes certaines à regarder les vidéos. Ce serait super si au moins vous vous abonnez, parce que vous êtes 85% des personnes à ne pas être abonnés. Donc s'il vous plaît, abonnez-vous, ça vous coûte rien. Et moi, ça m'aide énormément dans mes futurs projets. Donc les amis, on va reprendre notre partie. Donc moi, entre-temps, j'ai un tout petit peu avancé. Vraiment, j'ai pas fait grand-chose. Ce que vous pouvez voir et ce que vous allez voir, c'est que du coup, j'ai pas avancé pour la ferme. L'atelier, les maisons là sont terminées. Donc du coup, j'en ai remis à construire ici. Mais j'ai aussi amélioré du coup l'entrepôt. Et du coup, il va vite falloir que j'arrive à régler ce petit souci de bois de chauffe-eau. Parce que on n'a qu'un seul mois de combustible. Donc là, cette ligne de production, je pensais qu'elle était bien, mais là, on a 8 charbons. Et j'aimerais bien voir, par exemple, elle va aller où là? Ouais, transport des bûches. Ouais, c'est ça le truc. C'est qu'en fait, vu qu'on les a mis quand même assez loin. Ouais. On les a mis assez loin, donc du coup, ils sont obligés de monter jusqu'en haut pour. Peut-être là mon erreur. À la limite, j'aurais pu les déplacer là. Comme ça, au moins, c'est assez près du village, quoi. Parce qu'il y a quand même 8 charbons. Donc je me dis, quand même, c'est. C'est quelque chose, c'est pas. C'est pas. Nice, une nouvelle famille. On va le mettre dans le charbon. Là, il y a un mec qui continue à replanter, mais je dois avouer que normalement, elle est censée direct emmener ça là. Il est là le problème, pourquoi elle l'emmène pas là? Zone de travail vide, c'est quoi ça? Ah oui, c'est le. Les baies, c'est normal, bah du coup, on va l'enlever là. Et on va le mettre dans les replantations. Voilà. On la replante. Je pensais le mettre dans les bûches pour augmenter, mais un mec solo, je sais pas s'il arrivera à tout replanter. Je sais pas. Déjà que je suis à deux doigts de déplacer tous les quatre là vers le bas. Attends, là, il vient de mettre quelque chose là. Nice, oh oui, ça y est. Transport du charbon. Bonne nouvelle. Ok. Normalement, ça devrait régler nos problèmes. Parce que, si je tiens à rappeler, que normalement, une unité de charbon est égale à deux bûches. Donc ça va certainement nous faciliter et nous aider pour ça. Mais ça serait bien qu'elle, elle arrête de les prendre et les mettre là-bas. Et qu'elle les mette directement là, quoi. Enfin, ça serait juste logique. Il y a deux familles qui c'était là ça, ils transportent du charbon. Là, je crois que lui, c'est pour ramener ça justement. Puisse finir l'entrepôt. En gros, je voudrais me dire l'entrepôt, j'en ai mis un là, mais c'est de la merde quoi. Et l'hiver vient, mesdames, messieurs. L'hiver vient, on est pas trop dégueu niveau bouffe. Je dis pas trop dégueu parce qu'on est qu'à 11 mois, on a quelques carottes, quelques œufs. D'ailleurs, les champs de carottes, ils rapportent pas BZF, c'est ce que je viens de voir. Il y a 21, avec 21 bûches, ils tiennent qu'un seul mois, les copains là. Ça pue la merde. Parce que là, on va voir. Attends, je m'y pose, les amis, parce qu'on va avoir deux soucis. Donc, comme vous pouvez le voir en bas à gauche, on a dans 85 jours. Les pirates qui débarquent. D'ailleurs, c'est un peu des Golbits parce qu'ils débarquent après l'hiver. Et encore, je crois qu'ils vont débarquer pendant l'hiver hein, aussi. Je suis pas sûr. Donc, ça va me foutre encore plus dans la merde s'ils débarquent pendant l'hiver. Mais s'ils débarquent même pas pendant l'hiver, en fait, je sais même pas si on arrivera à chauffer pendant l'hiver. Parce que là, il y a la charbonnière qui continue à pop.
Donc, j'espère qu'elles vont bien charbonner. Deux. En vrai, là, il y a deux personnes dans chaque truc. En vrai, ça devrait le faire quand même. J'espère, hein. Après, je sais que, vu que de base, c'est le temps que ça se stabilise, je pense, parce que c'est le temps qu'il fasse toute la route. Et ça, tu vois, je pense, d'après moi, que ça va être changé. D'après moi, là, je dis d'après moi pour vous, ça va être changé parce que, ça, là, ça va dégager ici, hein. Ça va dégager ici, ça sera juste à côté. Et d'ailleurs, je pense que la première chose que j'ai bougé, c'est les replantations pour que ça continue à replanter là, parce que ça n'a pas l'air bien, bien blindé. Le bois, je sais qu'il en a, il en prend, mais il galère un peu. Il va. D'ailleurs, je l'ai vu couper un arbre là. Peut-être falloir qu'on change de place du coup, et que du coup, bah en vrai, on pourra faire des maisons là, quoi. Hein. En vrai, hein, si on lui, on le bouge. On le met tra là, certainement. Le problème, c'est que j'ai pas envie qu'il descende jusqu'en bas, quoi. Comment ça, 4? Oh, je vous ai dit d'en laisser 8. Suite de ma gueule. Le truc, c'est que j'ai pas envie de trop disperser le village. Faut pas oublier qu'il faut qu'on passe le level 3 du village, là. Donc, grand village. D'ailleurs, il y a un truc qui me. Votre colonie suivante, c'est petite ville. Sauf que quand, ou alors c'est une erreur de traduction, quand on va dans le manoir, il met niveau de colonie requis, petit village. Quand j'essaie de poser. Ah, c'est peut-être parce que j'ai pas assez de ressources. Ah non, j'ai pas de pierre. Forcément, j'ai pas de ressources. Et ouais, ça c'est con parce que je sais que le manoir te donne une. 4. 4 ou 5 milices de carte personnelle. Garde personnelle. Au pire des cas, on essaiera de faire avec plus tard. Notre priorité, c'est toujours le bois de chauffage, quoi. Et d'ailleurs, mais peut-être falloir qu'il finisse. Quoi qu'il transporte, lui. Il manque juste une bûche. Ok. Ça m'inquiète là le bois de chauffage, hein, je vais pas vous mentir. Je vais pas vous mentir, sauf que les redéplacer en hiver ici, c'est signer mon arrêt de mort. Ouais, ouais. Et là, on est dans une bonne sauce quand même, hein. Bah après, malgré tout, en termes d'armée, on est quand même plutôt pas mal, hein. Pourquoi ça met pas 14 là? Tu mets ça. Ok. Là ça m'en fait 5 en plus. Là 0 en plus. Ok. Et du coup attendez. Tac, on fait ça. Je fais ça donc là ça fait déjà 35. Ok là c'est bon. Là 0. La 20. La 11. Ah mais non, ça les duplique. Ok, en vrai, voilà. Là, c'est mon armée. On verra. Quand nos potes vont arriver, parce qu'ils arrivent dans 78 jours. Elle est où l'armée qu'ils ont récupérée? Bah, c'est eux les brigands, non? T'as vu, ils sont. Eh gros, ils sont 18 et 18, hein. Heureusement que je me suis préparé, hein. Heureusement que je me suis préparé. Vraiment. Ils allaient me chiffonner, hein. J'allais être leur objet. Ah, ça y est, enfin, le dépôt a été fait. Pourquoi il y a un outil là? Attends, ils sont liés? Pas du tout. Et là, regarde! Il y a 49 bûches de. Et là, il y a une couille là.
Nice, le charbon. Nice, ça remonte. Nice. Nice, les potes. Nice. On est bon, là. Là, on est bon. Là. On est grave, bon. J'étais à deux doigts de remettre un cueilleur, là, même si c'est chaud. En fait, c'est juste pour les herbes, parce que je sais pas. Ça pousse en quelle année, les herbes? Mais d'une façon ou d'une autre, il nous faut quand même des nouvelles familles. Donc c'est pour ça qu'aussi d'ailleurs, il y a les maisons qui vont se construire petit à petit. Et là, en fait, l'hiver va nous servir à nous préparer déjà pour la bataille et pour les ressources. Là, faut vite que ça, là, ils viennent les ressources volées par les bandits. Les fumées, eux. Le truc dont on a besoin, qu'on voulait faire de la... Ah ouais, ils sont blindés, hein. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14 plus 18 et 18. Oh, il y a un ancien moulin. Ruine, grenier. Je sais pas si on vient là, enfin, si je capture la zone, est-ce qu'on pourra... On pourra garder entre guillemets les trucs et juste les réparer en fait. Juste pas. Un convoi. Du coup, notre petit village d'orques. J'aime bien la petite particularité, c'est qu'il s'affiche vraiment sur la map. Donc en gros, on voit son village grandir sur la map. Il y a juste les champs là qui sont pas affichés. C'est dommage. Peut-être qu'ils seront affichés quand il y aura la ferme en construction. Mais là, normalement, du coup, vu que j'ai mis la priorité maximale. Sur la ferme, on va construire la ferme. En priorité. Parce que là, je vois qu'elle est déjà avancée, celle-là. Non, c'est la ferme qu'il faut construire. Voilà, c'est bien, coach. Voilà. Allez au travail, mon pote. Allez. Tac. Ça m'inquiète quand même de voir les 2 mois qui augmentent pas des masses. Même bah, la bouffe, c'est normal qu'elle ne manque plus. Là, j'aimerais bien recevoir au moins deux familles pendant l'hiver. Pour la simple et bonne raison que, en gros, j'aurais plus besoin de tout changer. Et j'aurais juste à mettre dans les baies, là. J'espère recevoir une ou deux petites familles. D'ailleurs, la chasse, je crois que je vais l'enlever pour le moment. Là, lui, il est en train de déglinguer des darons. Tannerie, je l'ai enlevé. D'ailleurs, on a combien de pots? On axise du coup, vu qu'on s'en est fait voler. Une nouvelle famille s'est installée. Nice, ça c'est beau ça. Ah, je vais pas l'installer pour le moment. Même si c'est vrai que je pourrais la mettre là. Et je crois que ça serait pas une mauvaise idée pour le moment. Parce qu'en vrai, faut pas oublier qu'après, si tu viens là, on va en mettre une là-dedans. Après l'hiver, au moins une minimum. Mais j'avoue que là, je manque de main-d'œuvre. Parce que là, il n'y en a qu'une seule. Ok, c'est good. Là, il n'y en a qu'une seule. Ok, c'est good. Et j'avoue qu'on. Du coup, on a fait pas mal de ateliers. Donc, ça prend des familles déjà de base. Mais de toute façon, plus compliqué, ça va être le chauffage, hein. Rien n'est stocké là. Et là, ok. Je comprends pas comment Ah, autant. Il y en a beaucoup quand même, hein. Il n'y en a pas. Il y a même 50 là. Ça me turlupine, ça me turlupine. Normalement, là, avec mes armées, là, je suis bien. Franchement, je suis bien. J'ai des archers. Normalement, les archers vont coucher un ou deux mecs. Avant qu'ils arrivent au CAC. Et même après, en vrai. Dommage qu'ils mettent pas. Genre. On met des disponibilités encore. Ça, les mercenaires, on peut pas les prendre encore. C'est l'argent qu'il y a là, du coup. Et je vous propose, le temps que la ferme avance, on va se balader dans notre petit village. Voilà. Le petit marché. Sur notre droite.
Un route sous son seigneur, elle est folle. Je me dis qu'au Moyen-Âge, quand même, t'avais peur. T'étais un petit village comme ça, là, t'avais aucune défense, t'étais rien, t'étais. C'est un petit village, tout simplement. T'avais des bandits qui venaient, qui te butaient, c'était réglé, quoi. Ça devait pas être la joie tous les jours. Oh, non, j'allais dire, je crois que la ferme, elle est faite, mais elle est pas faite. Elle est bientôt terminée, j'espère qu'ils vont rapidement la terminer. Il y a un golf. Un mec invisible. Ah non, non, en fait, il était tout seul. Il tapait là pour là-bas. D'accord, d'accord, d'accord. D'accord, mon seigneur. Il lui a jeté un au cul. Ah oui, ils vont devoir. Pourquoi? Ah oui, ils vont. C'est quoi ça? Des bûches. Ok, donc du coup, ok, maintenant ça se stocke là. Bon, même les arcs d'ailleurs, ça se stocke là. Pourquoi il transporte des bûches ici, lui? Ah, ok. Les gars, vous avez des arbres là? Pourquoi vous allez à Bubblewood chercher des bûches là? Attends, justement, c'est peut-être parce qu'ils avaient une zone. Ah non, ils ont plus de zone, ils ont pas de zone. Favorise la replantation ici. Après, à la limite, lui, je pourrais lui dire de. Pas de zone. Il va les replanter directement. Là où il faut. Là, je veux voir où ils vont. C'est con parce que. 68 jours, l'armée. Enfin, les bandits. Ah, voilà! Là, ça va peut-être aller un peu plus vite déjà. La ferme terminée. On va mettre directement une famille, même si c'est pas une famille qu'il nous faudra. Il nous en faudra au moins 3-4. Parce qu'après, ça dépend. Ça pousse en quelle année le blé? Dommage, parce que. Attends. Tac. Alors, on va faire un truc tout simple pour pas niquer la vidéo. Alexa! L'orge, ça pousse en quelle année? Je ne sais pas. Ma gueule. Alexa! L'orge, ça pousse en quelle année? Traduit de fastgrowingtrees.com. Il pousse de 3 à 5 pieds par an et peut atteindre 15 à 20 pieds en 3 ans. Alexa, je m'en fous. Putain, c'est moi, autant j'ai pas posé la bonne question. Mais de toute façon, en soi, on va être transporté, récolte. Je crois que c'est la même chose en fait. Du coup. La petite vanne avec Alexa. D'ailleurs, qui a très mal fonctionné parce que je lui ai dit en quelle année et pas quand dans l'année. On va essayer. Hein. Allez, on va essayer. On est des thugs. Le temps que les soldats arrivent, de toute façon, enfin les pirates arrivent et que l'hiver passe et qu'on arrive à se sortir pour en repasser à 2 mois. Nice. Alexa!
L'orge pousse dans quel mois de l'année? Traduit de ablison.com. L'orge est généralement récoltée à la fin de l'été ou au début de l'automne, selon le climat et les conditions de croissance. J'ai demandé que, quand c'est planté, la mi de la récolte. Et le blé, c'est pareil, donc en vrai, ça reste la même chose. Du coup, là où, on va dire entre guillemets, ça m'aide. C'est qu'il va falloir qu'on fasse d'autres familles, parce que du coup, il ne pourra pas s'occuper de six champs en rien de temps. Donc, dès qu'il y a d'autres familles, je la mettrai direct dedans. Là, ce qui est bien, c'est que le bois, le combustible, ça revient. Ils sont partis où eux? Ah, ils ont baisé leur pote, non? Ouais, ils ont dégagé leur pote. Il y avait un camp de. Ah, ok. Écoutez, tant mieux pour nous, j'ai envie de vous dire. Après, nous, on s'est préparé depuis le début de la vidéo pour. Enfin, depuis la vidéo même dernière, pour. Cette attaque, d'accord. Donc, on va l'avoir, cette attaque. D'accord. On va l'avoir dans cet épisode, ça c'est sûr. Une famille, plus d'espace, un marché de charbonnières. Et y a ce qu'il faut, non? Voilà, je pense que ça sera pas suffisant, peu importe où ça va être. Et vous savez quoi? On est un peu des toy-toy. On va en mettre une en plus ici. Comme ça, si vraiment ils veulent des huttes pour le charbon ou quoi, là ça dépend si c'est ici, bah ils l'auront là. Et si c'est là, ils l'auront ici. Mais d'ailleurs, ça m'étonne parce que ils demandent plus d'espace. Ah ouais, c'est que ça peut stocker 50. Vous avez qu'à arrêter de stocker des bûches là. De Mongolito là. Donc les maisons étales de bûches construites. Ok, donc c'est là. Donc normalement là on va satisfaire leur demande. Donc là j'avais fait exprès de laisser d'ailleurs cet espace pour lier des étales de marché. Comme je vous avais expliqué, hein, je veux. Mettre le manoir dans cette zone-là et pourquoi pas entourer tout le village. Nice. Puis une nouvelle famille. Boum. Ça fait plaisir, ça. Bah. Comme il dit en jargon, ça fait zizir. Nice. En plus, les mois de bûches augmentent. Voilà. Bah, c'est tout simplement parce que c'est mongolien, là. Donc, ils allaient miner certainement ici. En fait, ils venaient couper là. Ils remontaient avec leur bûche, ils découpaient là, et ils descendaient prendre une bûche, et ils remontaient. Tu m'étonnes pourquoi ça mettait 10 ans, toi? Là, maintenant, je crois qu'ils peuvent... Voilà, ils stockent là. Eux, ils vont directement prendre là. Donc, en gros, c'est... Je pense que c'est ça qui nique tout, là. La zone de travail, faut éviter de l'utiliser, je pense. Ou alors qu'on est vraiment sûr de soi, quoi. Parce que là... Oh, étale de bûche. Et vous allez en faire combien? Et 49 jours. Franchement, ça me stresse un peu. Je vais pas vous mentir parce que... dans la partie précédente, j'ai vu ce que ça avait fait. J'ai vu ce que ça avait donné. Donc, ça me fait un peu peur. Mais, à 10 jours de l'attaque, je sortirai l'armée. Parce que moi, je m'étais quasiment fait annuler, hein, je vais pas vous mentir. Mon village était situé... Si je ne m'abuse... Voilà, mon village était situé là. Donc là, j'avais mes maisons, ma ferme qui partait là, avec les champs là, l'église, les maisons, deux, trois trucs ici pour, soit pour la chasse, les baies et le bois ou autre. Ils sont arrivés par là, moi je les ai attendus là. Il y a une route normalement. Non, il n'y en a plus.
Normalement, là, il y avait une route que je... Bah, c'est moi que je crois que je l'avais faite. Parce que la chasse, c'était par là. Et en gros, je m'étais arrêté ici, derrière les armes. J'avais mis les archers en premier, donc j'avais 4 archers. Hein. J'allais pas... Vraiment, c'était... Je leur envoyais des cure-dents. Ils étaient quasiment... ils étaient 35, quasiment, donc... C'était pas 4 archers que j'allais chier loin. J'avais 18 soldats au corps à corps. Et du coup, ouais, c'est... Je me suis fait... Dès que les soldats au corps à corps se sont fait annihiler, je me suis fait brûler quasiment la totalité de mon... De mon village, et on a une famille qui vient d'arriver. Oh là là, ça nous régale. Là, ça nous régale. Après, par contre, on commence à être en janvier. J'espère qu'une autre famille va arriver pour aller dans les baies. Ce serait super d'en avoir au moins une dans les baies. De toute façon, il faudra qu'on en live une quelque part. Hein. C'est forcément c'est là-dedans. Faut que. On puisse le retirer quelque part. Là, de toute façon, dans la mine, il n'y en a plus. Le bûcheron, il est en train de ratiboiser toute la forêt là. Là-bas, c'était là. Ça replante, mais je crois que ça met longtemps à. Longtemps à pousser. En vrai, je suis à deux doigts de me dire, est-ce que le bûcheron, on le mettrait pas en stand-by, vu que pour le moment, en termes de bois, on est bien. Le problème, c'est qu'il y a la production de planches qui continue. Donc, c'est pas très, 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 très possible. On continue à accélérer. Dans 35 jours, les amis. 35 jours, notre village se fera attaquer. Première attaque de la série. Première concrète et réelle attaque. Alors, parce que... Et même là, il n'y a personne. Ah oui, c'est normal, j'avais mis en stand-by le marché. Le temps de régler mon problème. Pour la création de d'armées. C'est pas plus compliqué que ça, hein, c'est juste. Donc en gros, là, il nous faudrait deux familles en plus, au moins. Après, j'en demande peut-être un peu beaucoup. Hein. J'en ai mis trois là-bas. J'en demande peut-être un petit chouïa trop. Mais écoutez, moi j'ai envie de vous dire qu'ils ne demandent rien à rien. Donc si je peux en avoir deux ou trois en plus. En vrai, on tapera dans les baies juste après et dans le commerce. En vrai, on sera worse. Worse pour nous, pardon. Du coup, là, il y a 21 bûches. Mais maintenant, maintenant, ça charbonne. Du coup, maintenant, ouais, ça remonte. Ouais, forcément. Forcément, forcément, forcément. Tac. Du coup, là, on a pas fini ces maisons. Et là, il va me falloir des tuiles. J'ai oublié, mais il me faut des tuiles. Pour l'améliorer. Mais ce que je vais faire. Je pense que j'ai commencé par faire ça là. Et ça là. Voilà, déjà comme ça entoure le petit quartier. D'ailleurs, je n'ai pas fait de l'autre côté. Voilà. Pourquoi faire ça? Parce que vu que je vais faire des quartiers l'autre côté, en gros là il va y avoir une refonte du chemin. D'ailleurs je peux même peut-être la refaire maintenant. Ou quoique non. Non 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 j'allais faire une bêtise. J'allais faire une méga bêtise. C'est quoi le plus court? Passer par là là là? Va servir au même en fait. Ok, donc ça, halt, ouf. Hop là. D'une façon ou d'une autre, ouais, ça y gagne un tout petit peu, mais pas des masses. Donc en vrai, c'est pour ça que j'ai fait ça. Parce que là, on pourra se faire un beau petit quartier, là. De 3-4 maisons, ou même plus si on les met en long comme ça, là. 6 heures. Si genre par exemple je mets ça là, ça me ferait 4 belles maisons vues sur église. Ok. Et si par exemple je les mets là, là et là.
Ouais, ça me fait 4 maisons avec atelier, 5 et 6, hein. Je pense que le mieux, ça serait de faire ça. On cherche à avoir le plus de... Et ça reste correct, convenable, quand même. Mais on cherche à avoir le plus de place possible. Et à savoir, est-ce que lui, là, il arrive à aller vraiment partout? Je sais pas. Je sais pas, mais il... Attends, mais il continue à vendre quoi, lui, là, pour que je gagne de la thune? Pas de commerce. Nice, une nouvelle famille s'est mise dans le game. Donc ça veut dire qu'en gros, là on pourra en mettre une. Et là, on pourra en mettre deux. On est en février. Ah non, putain, bah ouais. Bah ouais. C'est pas grave. C'est pas grave. Pour l'instant, on va rester sans bâtisseur. Je sais pas si les maisons là-bas ont été construites. Au pire des cas. Normalement, il n'y a plus rien à construire là actuellement. Mais j'aimerais juste savoir, c'est quoi qui est en train d'être vendu là? Exportation, c'est les bûches. En vrai? En vrai, on va continuer l'exportation de bûches. Mais est-ce qu'on peut exporter par exemple du charbon? J'aimerais bien pouvoir exporter du charbon. Laine, bûche, teinture, charbon. C'est 60. Route requise. En vrai, on va continuer à faire comme ça. À fonctionner comme ça. Et en gros, bah, ça fait monter un petit peu mes trucs, surtout l'hiver, j'ai l'impression. Donc, en vrai, on va rester sur ça. Et si on voit que on amasse pas mal de charbon. Donc, si la charbonnière elle fonctionne bien, là, je vois que j'en ai 5. Les bûches fonctionnent quand même mieux, mais... Si je vois que il y a du charbon qui est en exportation constant, enfin qu'il y en a beaucoup de charbon, je mets pause. J'ai complètement oublié de regarder les. Ils sont où? Ils vont arriver d'où? Ok. Ils arrivent par là? Partout. On a le time alors. Et bah, vous savez quoi? On va attendre qu'ils grimpent un peu, quand même. Attends. On va voir s'ils sont rapides. Deux unités de 18, vous avez vu? On a vraiment bien fait de se préparer, les amis. Hein. Je peux vous assurer. Ils vont pas rigoler. Hein. Les 18 là, j'espère qu'il n'y en a pas un autre qui va pop derrière. Autrement, ça me ferait bien chier. Après, là, ce qu'on peut faire le temps qu'ils arrivent d'ailleurs, c'est parce qu'on a d'autres arcs, d'autres trucs dans ce style. Donc, ce qu'on peut faire à la limite, on a quand même quelques temps avant qu'ils arrivent. Tac. Créer. Nos armées. 16, 10, 10. Ok. Est-ce que je peux pas créer d'autres archers? Et pourquoi ça me... Il y a un bug là. Ok. Ils sont où? Ils arrivent par là, ok. Et bah, vous savez quoi? On va attendre. Je suis désolé, je fais d'un petit peu d'espoir. Mais on va attendre quand même. Pour la simple et bonne raison que on va aller à leur rencontre à ce niveau-là. D'accord? Donc, une fois qu'ils seront ici, dans cette zone, nous, en fait, on va aller ici. Tac. Hop. Par contre, comment je fais pour afficher la carte? Merci bien. Voilà, nous on va aller capturer cette zone. Donc, ce sera pas pour créer un nouveau village. Juste pour avoir des points d'influence et tout dans le genre. Et pour l'instant, on le laissera comme ça.
Et on créera le village après. Parce que... Ouais. Ouais, mais là, le problème, c'est que c'est pas la bonne... Moi, ce qui m'intéresse, c'est juste ça. Hein. Sauf que ça, on va l'avoir, en fait. Peut-être ça me bute. Ça me bute, ça me bute, ça me bute. À la limite, j'aurais préféré avoir les baies et ça. Et là, j'ai l'argile... Mon grosse ressource. Je m'en bats un peu les roubignoles. Mais au pire des cas, comme je vous ai dit, c'est pas grave. On va avoir la mine en développement. Donc, c'est pour ça que... Ça m'inquiète pas des masses. Là, normalement, ça va remonter. Donc, la bouffe va remonter. Et on est à 6 mois de bois. Donc, ça veut dire qu'on a bien... On a bien géré la ligne de prod. Allez, la bande de pirates. Enfin, bande de pirates. Bande de bandits. Venez. Et ils vont mettre longtemps, en rivière. On aura le temps d'étendre l'hiver. Pour signaler une attaque. Nice, une nouvelle famille. Putain, on est bon de ouf là. On a eu masse famille là en très peu de temps. Ça fait vraiment zizir là. Et du coup après on va pouvoir commencer le pas la foire au bétail mais le pâturage. Le pâturage. C'est une bergerie ça? Non, c'est une foire au bétail. Je peux me mettre par exemple. Ah non, j'en étais sûr. Dommage. Je voulais baiser le game. Ah, je me fais baiser. Hop. Là, c'est tout ce qui va être ferme animaux. Donc, en vrai, c'est dommage. On les mettra pas dans les. Dans les barricades, ou alors... Ou alors peut-être, on verra. Si on est riche, je ferai quelque chose pour qu'on les sécure. J'aimerais bien que quand même la moitié de mon village, soit, enfin au moins les 3/4, soit sécurisé par les barricades, les trucs dans le champ. Avant de m'attaquer à l'autre, là. En gros, ça veut dire que même si je m'attaque ici, par exemple, je capture une zone, je sais que mon château, lui, là, enfin mon château, mon manoir, tout ce qui va avec, pourra tenir un peu plus longtemps que... S'il n'y avait rien du tout. C'est tout ça qui m'intéresse. Et on continue la production. Et en fait, je pense... Ça, c'est les armées qu'on peut déployer. Là, j'en ai combien? 14, 12, 10... Donc là, ça fait déjà 40... 50, 54, donc normalement je pourrais en sortir plus. J'ai 54 là. Ils me disent que tu peux en sortir 60. C'est ça, c'est pas très bien foutu, tu vois. Ce qui aurait été bien, c'est qu'il. Le cru manquante. Vegetables, get your daily dose of greens, healthy and hearty. Attends, on va faire un truc. Ça sera peut-être plus... On verra mieux, du coup. Mais... Hop. Voilà. Donc là, on a nos archers. Ok. 10, 10, 14. Une famille a rejoint. Donc on va la faire rejoindre. Les B. Pour le moment. C'est plus important. Ok, on va remettre en vitesse normale, les amis. Notre première bataille va arriver. Bon, normalement, on va se réunir là. Donc, ce que je vais faire... C'est faut qu'ils se dépêchent, par contre, les refs. On va mettre... Une squad d'archers là. Hop. Vigilance au projectile. Hop. Et eux, je vais mettre... Non, là.
Hop là. Voilà. Voilà, on les prend à revers. Attends, non, est-ce qu'on peut attaquer là? Dommage. Merde, j'ai perdu un archer là. Attends, mais ils arrivent à... Attends, j'arrive plus à voir. Ah ouais, non, en fait, les blancs. Ok, allez, go, charge alors. Halte au feu. C'est comment on fait pour halte au feu? Halte. J'ai peur qu'il y ait le TK. On a quand même pris un petit peu. Hein. Et voilà la première victoire du joueur français. Allez, tirez leur dessus, non? Ok. Et on a eu combien de pertes là? On a eu un petit peu de pertes, je crois. Hein. Là-dedans, je crois qu'on en a eu quelques-unes. Mais au moins, dissoudre les unités. Allez, on retourne au charbon là. Les gars? Les gars? Ah, ils reprennent la route? Ah ouais. Ah ouais, non, non, mais attends. On va faire un truc tout simple, hein. Ah, ça les a TP? Ah, c'est un TP, certains, pas tous. Il y a encore quelques récalcitrants dans l'équipe. Donc, plutôt heureux. On a gagné notre première bataille. Qui, ma foi, était quand même un peu plus, plus important. Attendez, parce que je viens de penser qu'en fait, il nous faut une fosse pour les cadavres. À deux doigts de la mettre ici. On va la mettre là. À côté de... Pour faire du fertilisant. Pardon. Non mais voilà, je suis content, on a réussi à déglinguer les pirates qui étaient venus nous casser les pieds. Et au prochain épisode d'ailleurs, on prend... Bon, c'est pas la fin de l'épisode, calmez-vous. Mais on ira prendre cette zone. Voilà. Là, le but principal... C'est bien entendu, voilà, de reprendre vite les champs là. C'est pour ça que je les envoie pas maintenant, c'est parce que il faut absolument qu'ils reviennent tous là pour charbonner. On a travail vide. Tu trouves ma gueule là? Je les vois les B1. Ok, eux ils continuent. On est à 53 thunes. On aurait pu, ils auraient pu donner de la thune pour qu'on, quand on gagne ou même des récupérer les trucs. Et là, du coup, influence nécessaire pour la diplomation de revendication. C'est beau ça. Et du coup, je crois que les cadavres, en fait, tout ça là, c'est tous les mecs qui reviennent de la baston, non? Pas sûr, mais je crois que c'est ça. Et là, du coup, ce qui m'intéresse, vu que j'ai de l'influence. Normalement, je peux. Pas de ressources. Il manque de la pierre.
Donc ce qu'on va faire, c'est pas plus compliqué. Hop! Tac. On va construire ça là. Dès qu'il y a de nouvelles recrues, on envoie encore une dans la ferme, je pense. Ah, il y en a qui vont dire ouais, mais c'est pas bien. C'est tu en envoies trop. Non, c'est normal. T'es mal à la taille des champs. Là, ils labourent juste. Hein. Là, ils sont en labourage. Juste un champ là, ça leur met plein de temps donc. Après, il reste quand même beaucoup, mais ça met du temps. Tu vas avoir une récolte. Il nous faut absolument tout ça. Donc, ce qui est bien, c'est qu'on continue à avoir de l'équipement, des ressources. Donc, j'ai envie de voir un truc. Ce qui ouais, il nous reste plus que 12 outils. Ouais, il nous reste plus que 12 outils. Donc, ça veut dire qu'il faut vite débloquer ça là. Donc là il nous manque une niveau 2. Et là pour le moment, hop, on va faire le break de celle-là. Pourquoi celle-là? Parce qu'elle a un grand champ. Et autant faire le grand champ. Pour qu'on puisse être d'ailleurs tranquille en termes de nourriture. Malgré tout, que les champs là ne fonctionnent pas. Le truc, c'est que j'ai vraiment peur. On va voir, hein, je vais découvrir avec vous, parce que moi-même, moi, sur ma partie, je n'ai pas vu si les champs aussi grands pouvaient être faits, parce que c'est quand même des grands champs. On va pas se mentir, hein, on va... Hop. Ça reste quand même des champs assez imposants. Donc, est-ce qu'ils vont réussir à faire les trois? J'espère. Après, ça a l'air d'être rapide, mais... Ah, mais attends, c'est qu'ils ensemencent derrière le ref, là. Mais non, mais Nivalina, si, je suis plus rapide que toi, allez. Le seigneur ingrat. Je suis un seigneur ingrat. Donc, là, du coup, on pourra commander du bétail, je crois, pour qu'ils viennent directement là. Terme de bouffe, c'est bon, ça remonte, on est bien. Le problème, c'est qu'à force d'avoir beaucoup d'habitants, les baies ne nous suffiront plus. Et la chasse, non plus. Pourquoi on a Ah, en fait, ouais, mais en fait, c'est parce qu'on a eu beaucoup de morts, quand même, en vrai, je crois. Hein. Je sais pas si c'est ça, si vous avez des infos par rapport à ça, je suis preneur de fou. Je suis preneur de fou parce que je ne capte pas le pourquoi du comment. D'ailleurs, il y a une fausse commune ici. C'est normal parce que c'est vraiment à côté du village, quoi. C'est... Après, tu vas me dire, il faut pas la mettre à Babelwood, mais... C'est pas comme si c'était un cimetière. Un cimetière, on va dire, c'est plus... convenable. Là, ils vont planter. Ils vont récolter. Ah, je crois que oui, ils récoltent. Ah oui, ils récoltent... ça récolte. Dans... Pourquoi tu récoltes avec un marteau? Comme je dis, calmez-vous, c'est né à lire. Non, mais c'est bien le fait qu'il y ait déjà qui récolte, là. Ça nous fait de la bouffe, donc c'est aussi ce qui met bien hop, de notre famille, c'est parfait. Bah, du coup, on va les mettre tout de suite à la ferme, voilà, pour être sûr que ça fonctionne. Dès que ça sera construit, ah bah il emmène... Où es-tu? Bon toi. Il est où ce con? Elle est là.
Ah, il a déjà envoyé un minibus du coup. Pas mal. Mais là, vraiment, on est en avril. Mai, juin, juillet, septembre. Ah, il y a 3 mois de pouce. Ouais. C'est assez long quand même. Hein. Je pense que la ferme, c'est là où je vais mettre le plus de péons. On va être obligé, hein, les amis. Hein. Si on veut pouvoir produire de la farine, du malt en grande quantité, on va être obligé. Hein. D'ailleurs, attendez, j'ai mis la brasserie ici. Et en gros, je me pensais qu'il nous faudrait la taverne. La taverne, on va la craft après, hein, comme ça, on va la... On va la mettre tout de suite en craft. Hop. Comme ça, au moins, on pourra commencer là. Enfin, on pourra commencer. Dès qu'on aura le malt. Après, le malt, normalement, est-ce que je peux pas la commencer par moi tout seul? Si tu vois une malterie. Alors, je peux faire du malt. Ok. Donc, si vraiment... Si vraiment on est en galère et que la brasserie là ne fonctionne très mal du coup, oh, on a gagné 10 pièces. Je ferai usage de cette cabane. Si ça fonctionne, en soi, voilà, ça dégage. Et là, rien que là, j'ai vraiment peur que ça suffise pas en fait en termes de... De champ. Après, je pense qu'on peut tenir l'hiver prochain tranquillement. Hein. Je dis pas qu'on n'y tiendra pas, mais on aura quelques défauts, quoi, on va dire, en termes de bouffe par la suite. Parce que forcément, on augmente la population. Certes, on a 2-3 poulaillers, on a des chèvres, on a des petits champs, mini-champs là, dans les maisons, on a les baies, mais au bout d'un moment, en fait, pourra plus tenir le rythme, il nous faudra absolument que nos champs là ils soient bons. Après, est-ce que c'est comme dans la vraie vie, enfin dans la vraie vie, dans Anno 1800, est-ce que les plus t'es un haut citoyen, moins tu manges du coup, je sais pas. Parce que bon, alors je tiens à le rappeler, même si c'est marqué là, c'est une early access, d'accord, donc ça veut dire n'est pas mis au point. Du coup, je suppose que ça aussi, c'est vraiment pas mis au point. C'est pour ça qu'on galère à gagner les points qu'on souhaite. Hein, la preuve, bloqué pendant l'early access, l'accès anticipé en cours de développement. Moi, j'aimerais vraiment, je parle de mon point de vue personnel, j'aimerais vraiment que, en fait, on puisse débloquer tous les points dans chaque ville, en fait. Qu'on travaille notre ville pour qu'elle ait plusieurs aspects. Donc ça veut dire la civiculture, enfin, tout ce qui est agriculture, civiculture. Ça, c'est le commerce. Et le côté, en fait, faire fleurir sa ville dans tous les domaines. Et ça serait insane. Donc on a bien eu 7 cadavres. On a eu 7 morts. Voilà. C'est dit, c'est fait. Une prière. On va faire 7. Tenez 7 fois la cloche. Voilà. Voilà, c'était mérité. Ils se sont battus comme des braves pour défendre leur famille, leur terre. On va pas s'apitoyer non plus sur leur sort. Si je rigole, c'est nos héros. Faut pas oublier. On va mettre maximal du coup pour les enterrer. Mais du coup, est-ce qu'il me faut un pélo là dans l'église? Parce que je sais qu'il m'en faut un là et un là. Il va me falloir tellement de personnes. Dites-vous là qu'actuellement il m'en faut 3. Donc ça veut dire pour la carrière. De pierre pour la fosse commune et l'église. Après, est-ce que ça repousse bien là?
Dans combien? 5 mois? Non, on va pas les garder. Pardon? Qu'est-ce que point de la peau ici? Tac. On va accélérer un petit peu le timing. Et on va essayer de voir le plus rapidement possible, s'il vous plaît, des péons. Ah merde. Ouh là là. Ouh là là là, ouh là. Vite, la pierre. Ah mais là, attends, pierre, je peux en faire importer 10 de la pierre. Commerce, importer. Pause commune. Terminé, ok. Là, il me faut 10 pierres. D'où le ref? Et voilà, d'accord, super l'ambiance. Fausse commune terminée. Du coup, on va mettre celui-là là. Le dernier qui nous restait. J'espère juste qu'il va, du coup, aller. Ah, bah oui. Ou alors il a pourri, mais ça m'étonnerait. Champ de bataille, il a eu lieu là. D'ailleurs, c'est vraiment l'aspect dommage. On récupère pas les armes. Ouais. On a enterré nos morts, les amis. Comme souvent, on a besoin d'une famille. Je sais qu'elle a besoin d'une famille. Je sais, je vais devoir faire quelque chose. Toi, fais voir. Vous êtes tout seul. Vas-y, toi, pour le moment, on n'a pas besoin de toi. Ah, si, si, on a besoin de toi. Toi, vas-y, on a plus de fer. Bâtiment, on le met en pause. Voilà. On a plus de fer, donc ça sert à rien. Même lui d'ailleurs, il va certainement bouger. Mais en vrai, attends, est-ce qu'il est en train de faire quelque chose? Lui, il est en train de vendre ses trucs au marché. Si, c'est quoi son étal? Il vend des carottes. Mais pourquoi il est là-bas, lui? Lui, il est là-bas, ok. Personne. Il y en a une qui s'occupe du grenier. Deux. Hop, ça fait une comme ça au moins. Il y a quelqu'un dedans. On va enterrer nos morts comme ça au moins. C'est réglé. Nice, nouvelle personne vient d'entrer ici là. Je t'ai vu, on me prend pas pour un con. Et là du coup, faut que j'arrive à monter au niveau 3, mais pour ça. Il faut déjà des tuiles en plus. Ah oui, putain. J'avais complètement zappé. Il nous faut des tuiles pour faire l'église. Qu'on va faire. Je sais pas encore ce qu'on va faire en fait. Est-ce qu'on se focalise? Parce que là, pour le moment, on peut plus rien faire pour ça, malheureusement. Ça, c'est. Ça advienne que pourra, c'est le jeu. Il doit accélérer, enfin, il doit faire son truc, son bail solo pour avancer. Donc, l'approvisionnement à la taverne, on peut plus le faire. Le problème, c'est qu'il faut une église de niveau 2. Et pour la passer niveau 2, il faut de la pierre et des tuiles. Le truc, c'est là, à l'heure actuelle, on a un gisement d'argile là. Donc, c'est pas un grand, mais ça suffira pour l'amélioration, normalement. Et la pierre. Mais sauf qu'on n'aura pas, pour l'instant, on n'a pas assez de pions pour faire les deux, quoi. Moi, vous savez quoi? Je vais prendre la décision de commencer par la pierre. Pourquoi? Parce que c'est déjà lancé. Et en gros, on mettra quelques personnes à la pierre vite fait. Ils vont nous récolter genre une centaine de pierres. Ou une cinquantaine, on verra. Là, je suis en train de faire du commerce, mais j'ai plus de thunes. C'est cher, wesh, la pierre, hein. Ah, il vient de me vendre sa pierre, là. Capot du fiac, hein. Je voulais faire le manoir, là, mais... Vas-y, viens, on va attendre, hein.
On va attendre, on va attendre. Pas de commerce. J'ai payé pour rien, j'ai perdu ma thune pour rien, mais c'est pas grave. Pas de commerce, c'est un zinzin, lui. Attends, vas-y, quitte ça, s'il te plaît. On a 25 planches. Et quoi? On se rembourse. Exportation. Je vais en garder 15, donc t'en vends 10. Voilà, ça me fera 20 pièces, c'est déjà ça. Et vu que ça continuait à... Et lui, il est en train de déglinguer la forêt, hein. Ma parole, hein. Il est en train de déboîter la forêt, hein. J'aurais bien mis en haut, là, mais sauf que lui, il va déboîter la... Puis là-bas, on a déjà notre atelier. À la limite, j'aurais mis là, là. J'aurais fait... Raza ou là. Non, peut-être là, ouais. Je pense qu'au bout d'un moment, je vais changer, je vais le mettre là-bas. Le problème, c'est que lui, là, il est en train de planter ici. Et il plante pas des masses, hein. Ok, pas de zone de travail, c'est bon. Et au bouffe, on est bien remonté. Bois de chauffage en train de remonter. Les champs commencent à être bons et on n'a pas bougé du mois d'avril. La taverne est construite, mais ça pour l'instant, ça sert à que dalle. Moi j'aimerais bien construire. J'avais mis ça en priorité, hein. Non, donc on va le faire. On va le faire maintenant, comme ça. On va essayer de faire le manoir avant la fin de la vidéo. Donc il nous reste à peu près une demi-heure de vidéo. Et ce qui serait bien, c'est qu'on arrive à faire ce putain de manoir ouais, avant que... Avant la fin de la vidéo. Parce que c'est vrai que là, on a quand même bien avancé. On s'est débrouillé pour remettre l'économie à flot. Et on a commencé nos champs. Car on a quand même pas mal de recrues, hein, dans cette vidéo. Hein. On a eu énormément de recrues. Hein. Ça aurait été bien qu'il continue à bien charbonner. De toute façon, les deux là sont en jachère, je crois. Ah, bah c'est peut-être un peu plus faisable. Parce que forcément, dès qu'ils vont avoir fini ce champ-là... D'abord, je crois qu'ils labourent, ils plantent. Ils laissent pousser. Élevé. Élevé. Élevé, élevé. Moi, je veux m'en élever, c'est pour qu'ils fassent que de ça, quoi. Ils n'avaient pas fait autre chose. Normalement, d'ailleurs, ils sont tous là. Hein. Je sais pas ce que c'est. Hein. J'ai pas envie d'y toucher pour le moment. Et déjà, là, ils sont tous là, sauf... Puis, là, il fait quoi? Transporte de l'eau, ok. Va aider tes potes là. Tu crois que tu peux te la couler douce ici, mon ref? Ils ont pas fait des tombes comme à l'ancienne là? Non. Il est où le prêtre? Pas de prêtre. Au pire, si on voit le prêtre. Hein. Je vais voir s'il a un skin, c'est surtout ça. Moi. Un prêtre comme moi, je suis un millionnaire. Parce qu'ils n'ont pas l'accoutrement. Dommage. Mais je crois qu'ils étaient venus là pour construire. Non. Ah, ils ont pas construit de masse. Hein. Est-ce qu'on... Bah non, non, en vrai, normalement, là, vu qu'il n'y a plus rien à construire, il reste plus que ça et la taverne. Et la... Hop. Et le gisement.
Ouais, je sais, ça fait beaucoup de route, mais vu que c'est une zone carrière, enfin, vous avez compris, vu que c'est un peu carrière. Si vous avez compris, c'est pas grave. Juste... Dites-vous que c'est une zone de minage, donc ce soit un peu. Ça donne l'aspect où il y a beaucoup de gens qui marchent. Ok, il est en train de planter là. Oui! Ça plante. Nice, les gars. Nice. Et après, je me dis peut-être qu'on va laisser 2 années de jachère. On verra déjà comment vont nos récoltes. Du coup, il y a un roulement, mais. Ah ouais. Du coup, en fait, ils vont quand même perdre petit à petit. C'est pour ça aussi qu'il faudrait qu'on débloque. Mais ouais, mais ça, c'est le problème du jeu, quoi. Il faudrait qu'on débloque le pâturage dans les champs, en fait, pour que ça. Ça aide. En gros, on pourrait faire pareil, je pense, à un système de. Dès qu'il y a un jachère, et ben en fait, les bêtes, elles peuvent pâturer dessus, faire du pâturage. Pour justement redonner des minéraux à la terre. Mais pour le moment, c'est pas le cas. Tac, vraiment, j'ai mis. Là, je veux que ça soit maximal. Hein. Ils sont où les personnes qui doivent s'occuper de ça hein? Je sais pas. Ce qu'on va faire, les amis, c'est que pour le bien de la vidéo, et parce que j'en ai décidé ainsi, je vais faire une pause quand au moins la mine sera construite. Dès qu'elle est construite, je vous reprends. Et on continue l'aventure sur cette vidéo. A tout de suite, les amis. Bon bah, les amis, heureux. Du coup, ça a pas été très long. Donc, on va mettre. Deux mecs ici à la carrière. Et est-ce que je mettrais pas un autre entrepôt là? C'est quand même 1100 pierres. Hein. Mais le problème c'est que si je mets un entrepôt, il y aura personne dedans. Mais est-ce que les entrepôts sont liés? On s'était posé la même question à l'épisode dernier. Hein. S'il y en a qui ont des idées, enfin s'ils sont au courant de ça, dites-le moi dans les commentaires s'il vous plaît. Pour que je sois au courant. S'il y a vraiment. S'il y a les entrepôts sont liés, tout simplement. Parce que c'est vrai que. Premier abord, ils n'ont pas l'air liés. Mais est-ce que, par exemple, si. J'ai un entrepôt là. Et que je veux mettre, par exemple. Justement, mon manoir. Ici. Qui surplombe un peu. Ah, d'ailleurs. Ce qui est intéressant que je voulais faire. Là, il y a la taverne. Je vais monter là-haut. On va essayer de voir un peu la vue qu'aura mon petit manoir sur la colline, sur une petite colline. Là. Ah, c'est pas assez en pente pour que j'ai une vue genre du dessus. Mais bon, c'est pas grave. Attendez. Tac. Grand arbre là, je l'ai vu. Tac, il est où le grand arbre? Il est là-bas. Ah oui, donc c'est beaucoup plus loin. Elle est con là, au lieu de t'engraisser à bouffer tout ce que les paysans ils farment. Je veux voir ce que ça veut donner parce que je veux vraiment faire une citadelle du Moyen-Âge. Type époque en mode c'est la capitale de notre royaume et c'est clairement ce que je vais faire donc là ouais il y aura une petite vue sacrée vue quand même en gros je veux vraiment que cette ville soit le cœur du royaume enfin, c'est un jeu de mots parce qu'il sera pas vraiment au cœur enfin vous avez compris du coup c'est un plaisir de faire votre connaissance tiens oh, on va pouvoir dialoguer. Ouais. Ah, en développement. Ah, il est pas encore là. Merde. Moi, j'étais en train de parler avec lui. Non, bah non. On va pas faire la guerre avec l'autre. Fou, lui. Oh, vas-y. Ils sont en train de charbonner, eux.
5 de pierre. Il y a 5 de pierre là. Non, pierre, j'ai une petite idée dans la tête. Ça va baiser un peu le truc. Ça va faire genre un. Une marche dans la nature. Voilà. Comme ça, le mec qui est par exemple ici, il va pouvoir bouger son cul là-bas. Et d'ailleurs, je vais l'améliorer après lui. Parce qu'on commence à avoir pas mal de trucs. J'aimerais juste que quelqu'un vienne. Et tout ça l'a formé là, mon ref. Ils sont où tes collègues? Ah ouais, ils se. What? Attends, mais elle. What? Lâche ça, pauvre folle! Tu vas pas la guerre? Calme-toi, Jeanne d'Arc! Ok, lui, il va farmer. Et lui, il part à la guerre. Mais what the fuck? Où va le monde? Allez, 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 on se dépêche, là. Lui, normalement... Ok, il est en train de pousser. Ah, vous voyez, les amis, je vous dis, il faut vraiment une autre famille, là. Il nous faudra d'une façon ou d'une autre une autre famille. Là, j'ai des personnes ou pas dedans? Je crois qu'ils ont tous des personnes, en fait, hein. On est au max. Là, ok. Ce qu'on va faire, c'est ce qu'on voulait faire tout à l'heure de base. On va le faire maintenant. Hop! Tac. Ah ouais, comme je dis, on peut faire monter le village aussi jusque là, là. Et après, on va l'extendre ici. Tac. Après, les maisons, c'est pas notre but aujourd'hui, là. Notre but principal, c'est la pierre. Ça y est, on en a 19. On en a 19. Est-ce que on va pouvoir... Voilà. Donc, bienvenue dans l'outil de construction de château. Vous n'avez pas encore développement, c'est... Ok. Ici, on peut planifier des trucs pour construire. Donc là, par exemple, si je veux construire... Déjà, on va commencer par une tour de guet. Non, pas mettre qu'une. Déconne. Attends. Oh, ah, mais c'est une tour de guet. Tour de garde. Ah ouais, effectivement. Ouais. Attends, parce que... Si je fais, par exemple... Ah ouais, t'es obligé, en fait, d'avoir des petites tours comme ça de merde, là. Ah ouais, moi je voulais, tu sais, commencer à prendre par là, descendre, essayer de prendre... Mais en fait, si j'ai pas de bureau du précepteur, ça par contre, mon garçon, ça vaut de la thune. Et sa tâche. Pas du tout. Donc on va le mettre là. C'est un peu ma... Ma petite chose. Non. Attendez. Enserrer, supprimer les points de mur. Ok, c'est... Attends. Non, tracer une route. C'est pas une route, ça. La route, on la fera, hein. Je la ferai à la main. Hein.
Hein? Et du coup, est-ce que eux, ils ont besoin de route là? Elles, non. Au pire des cas, si elles n'ont plus maintenant, elles en ont une. Voilà. Fermé. Ah merde! Ouais, non, mais c'est pas très utile. Bon, bah voilà, au moins on aura construit notre. notre manoir. Bon, il est en construction. Il n'est pas encore construit, mais il commence à donner de la gueule, j'ai envie de vous dire. Voilà. Du coup, ça, on va le mettre en maximal, comme ça, au moins, il y a du people qui va venir le faire avant le manoir, parce que c'est quand même la priorité d'améliorer les églises. Moi, ma maison, voilà, on la fera plus tard. Donc voilà, on aura quand même bien amélioré, on débute notre manoir, donc on le verra dans le prochain épisode bien entendu, parce que les amis, comme vous l'avez compris, c'est la fin de l'épisode, donc on a très bien avancé, on a encore des armées qui se créent, enfin des armes qui se créent, donc on commence à avoir une bonne économie. Maintenant j'aimerais exporter un peu plus d'objets pour avoir de l'argent et même avoir plus de familles, parce que comme vous l'avez vu, rien que là, les quatre familles ne suffisent pas totalement pour faire en fait les champs. Hein. On a bien vu que le labourage est ultra long. Après, à savoir que on peut débloquer ce trait-là avec un bûche, donc ça peut aider, mais du coup, pour l'instant, ça va être compliqué. Pour l'instant, on est plus sur l'extraction. On s'occupera aussi de la politique par la suite du prochain épisode. Donc, ça annonce quand même pas mal de choses. On devra gérer, du coup, les récoltes qui vont arriver, le manoir qui va être construit, qu'on va continuer à grandir. Peut-être qu'on va donner des petits objectifs. Par exemple, l'améliorer au moins une fois par épisode pour que ça, on va dire, entre guillemets, donne un peu de peps. Parce que je pense qu'on va juste faire un truc et après on va laisser tomber. Donc, vaut mieux qu'on l'améliore petit à petit pour qu'il fasse le tour du village, des trucs dans le genre, qu'il y ait des tours un peu partout, qu'il puisse tenir face aux envahisseurs s'il y a des envahisseurs. Ça sera déjà une bonne chose. Donc, on l'améliorera à chaque nouvel épisode. Toujours, on fera un petit truc. Là, on voit très bien qu'on est venu jusque-là à peu près. Donc, il faudra l'agrandir. La tour de guet, je l'ai mis là-haut. J'espère que je pourrai en faire d'autres parce que ça va être très 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 relou autrement. Les champs, c'est bien. On a commencé à faire les deux mines qui nous restent. Parce qu'après, là, on aura exploité vraiment toute la zone de notre base. Et du coup, à l'épisode prochain épisode, on va conquérir, je pense, le territoire de Wildbrand. Wildbrand. Oui, il y a un truc, un dragon là. Ah non, c'est un dragon. C'est les ruines. Ok. Donc voilà pour le troisième épisode de notre série, les amis. J'espère en tout cas ça vous plaît toujours. Si vous avez des idées pour qu'on puisse les incorporer au village, n'hésitez pas à me le dire pareil dans la description. C'est fait pour et bah, je les prendrai avec joie. Ça me changera un peu de trouver toutes les idées qu'on peut faire dans Manorland. Parce que je le connais pas par cœur, comme je vous l'ai déjà dit. Donc si vous avez des idées pour donner un peu plus de peps qu'il y en a déjà à cette série, n'hésitez pas. Moi en tout cas personnellement, je suis méga hype par cette série, par ce jeu. Donc là actuellement, on sort une vidéo par jour. Mais je sais pas si ça va durer. Hein. Je ne suis pas un robot, je ne peux pas me permettre de faire une vidéo par jour sur le jeu. Donc si on verra au bout d'un jusqu'à quand ça va tenir. La vidéo par jour, voilà. Mais en tout cas, je peux pas que faire ça parce qu'il y a aussi Star Citizen, il y a ma corpo. Ah ouais, il y a plein de choses que je dois aussi gérer. Donc, une vidéo pour le moment par jour. Mais ne vous habituez pas trop à la stream. À tout moment, ça peut changer et avoir une vidéo tous les 2 jours. Revenir au rythme de base. Donc voilà les amis, en tout cas j'espère que vous aurez kiffé cette vidéo. On n'oublie pas de s'abonner bien entendu, c'est gratuit, ça coûte rien. On lâche le petit like, le petit commentaire et on se retrouve dans la prochaine vidéo. Tchuss tout le monde.